présenté les cadeaux fiscaux. Ouais, les cadeaux fiscaux de notre président Macron, c'est génial. Alors, avec papa Emmanuel, pour le riche, c'est déjà Noël. Aussi donner son point de vue sur cette petite fête. Bonjour. Alors, donc là, on est devant une boutique Louis Vuitton. Le propriétaire de LVMH est bien connu dans les milieux sociaux. C'est Bernard Arnault, c'est le propriétaire de la Samaritaine. Et nous, au DAL, on le connaît aussi bien parce que c'est l'un des acteurs principaux, avec le soutien de la mairie, l'un des acteurs principaux de la transformation du centre de Paris, du centre historique de Paris, en musée. Et c'est vrai que Emmanuel Macron est quand même une bénédiction pour Bernard Arnault et pour les plus riches. Alors évidemment, il n'a absolument pas proposé, Emmanuel Macron, de mesures claires, nettes contre l'évasion fiscale. Il a annoncé qu'il ne ferait pas de taxes sur les transactions financières, donc les riches, pas de soucis, les grands financiers sont tranquilles, mais surtout, il nous a annoncé d'énormes cadeaux pour les plus riches. C'est-à-dire qu'il s'offre, lui et son camarade Pinot, les plus beaux bâtiments du centre de Paris pour en faire des musées. Musées qui s'offrent à un prix tout à fait raisonnable. Hein. Alors il nous dit, mais pas de souci, il y aura un cadeau pour les précaires. Vous savez ce que c'est ce cadeau? C'est la suppression de la taxe sur la taxe habitation. Alors ça, c'est une grande fumisterie, mais surtout c'est un cadeau ultra empoisonné, puisque vous savez que ça va grever totalement, en tout cas très fortement, les ressources des collectivités locales. C'est quoi les ressources des collectivités locales? Eh bien, ce sont notamment les crèches, les écoles primaires et maternelles, mais c'est également les bibliothèques et tout un tas de services publics. Pas des cadeaux fiscaux, des logements sociaux. Pas des cadeaux fiscaux, des logements sociaux. Du programme social de Macron, on le connaît, c'est la case du droit du travail, la case de la sécurité sociale, des retraites, etc., etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le seul moyen de combattre ça, ça va être un rapport de force contre ce gouvernement, et ça veut dire qu'il va falloir se mobiliser très fortement dans la rue. Nous, on va continuer nos actions de désobéissance civique avec humour et détermination, mais on ne laissera pas faire ça, on n'a pas d'illusions, et on va combattre ce gouvernement et cette politique en faveur des plus riches et au détriment de la répartition des richesses. Merci beaucoup, quelle belle fête de Noël. Peut-être qu'on se met un peu de musique, est-ce qu'on a envie de rechanter? Ah oui, on rechante. Ah, on rechante. Carambon. Allez, on dégaine, Carambon.